Et là, ça va partir en latéral comme ça, là, plus, c'est ça? Un peu, mais tu vois pas. Donc on peut, pas tant que ça, on peut aussi refavoriser un axe central en remettant ça, enfin, en arquant ça un peu pour... En mettant vertical, oui, peut-être. Mais ouais, on voit quand même que c'est vraiment qu'au sommet qu'il met des branches à bois et que sur les latérales, il est déjà en arrêt, il est déjà en arrêt de croissance. Non. Non. C'est possible que ça a été bouffé, hein, parce que sous les paillages, là, l'inconvénient du paillage, c'est qu'il faut regarder. Il y a l'air atopié tout le long. Et après, là, tous, ils ont eu, on a eu une année, il y a 2 ans, avec beaucoup de... Zézère. Et ils étaient tout jeunes. Et il y en a, ils sont carrément tombés. Je les ai redressés comme ça. Là, il y en a un. Ah ouais. C'est une chenille, la zozère. Ouais. Ah ouais, celui-là, là. Bon, ça, c'en est un, probablement une. Hein. Ouais. Donc là, c'est creux à l'intérieur, là. Ouais, on va couper pour, on va couper pour voir, non? Là, à peu près. Si tu coupes là, tu vois le trou dedans. Tu peux ouvrir. Non, non, elle n'y est pas là. Ah non, on peut pas ouvrir. Non, il disait couper comme ça. En fait, on voit la cicatrice de sortie là. Ah, on voit qu'en un an, ça s'est refermé. Cicatrice. Si on veut. Ah oui, c'est une chenille qui rentre et hop, qui bouffe. Mange le bois, elle ressort. Ouais. Ça, et c'est gros comme le pouce, tu vois, comme et ça. Alors, et des fois, ça mange tout le tour. T'es au bout là, en tout cas, tu sens que... Oui, j'étais au bout, en plus, je sens, j'entends le bruit. C'est bon. Allez, ça, c'est la C'est dingue. C'est dans les trous de zozère. On a vécu un truc extraordinaire. Il n'y a pas de... on l'a pas vu à l'ermite. On allait la capturer, nous, pour pouvoir la mettre dans l'alcool, pour la regarder. Pour avoir une trace, pour montrer aux stagiaires. C'est de la pelouse. Ouais, c'est ça, t'as de la pelouse dedans. Le trou, il est quand même très fin, mais le la taille, c'est ça. C'est pas mal, c'est un truc... Ça fait un bon petit peu de diamètre. Ouais, mais probablement que là, elle est plus fine, elle sera plus grosse au printemps. Ouais, c'est ça. Ça fait une chenille longue comme ça, enfin nous ce qu'on a sorti, c'est une chenille longue comme ça à peu près. Ça fait grand pied. 100 cm, ça me paraît beaucoup. C'est un gros papillon, hein. Ah ouais. Long. Et donc en fait, c'est un peu aller jusqu'à presque 1 cm de diamètre. Ah si, ouais, moi j'en ai vu, je dis gros comme le pouce. Hein. Ah ouais. C'est blanc. Blanc. Et qu'est-ce qu'il n'y avait rien à faire pour éviter Non, pour l'éviter, il n'y a rien à faire. Mais elle se met pas sur tous les arbres. Alors sur du coup, tous les pommiers. Ouais, mais pas que les pommiers, mais et il y a des variétés peut-être des arbres plus résistantes que d'autres. Un arbre un peu plus tannique que d'autres, ou je sais pas, tu vois, c'est pas l'écorce fine. En fait, c'est un papillon qui vient, il pond, et puis la larve elle est toute petite au début, et puis elle se faufile, et puis elle mange, elle grossit. Et du coup, c'est pour ça, il y a pas grand chose à faire, même bété, bacillus. Il n'a pas le temps de le bouffer. Il faut être au bon moment, sur les corses en plus. Peut-être un badigeon avec de l'argile, ça peut gêner le papillon pour pondre. Voilà, pour la ponte. Mais le truc, c'est que c'est un vol assez large. Probablement qu'on doit pouvoir faire du piégeage ou avec des phéromones, les papillons généralement. Ouais. Heureusement qu'il n'y en a pas tant que ça par arbre, quoi. C'est une, deux, tu vois jamais un arbre avec 10. Ah non. Non. Tu vois, c'est occasionnel, c'est un. Une par arbre. Ouais. Non, s'il y en a deux, mais rien que deux, ça tue l'arbre, c'est sûr. Mais à mon avis, le papillon, il est intelligent. Il vient, il pond, et puis hop, il va... Mais il mange pas trop le cambium, hein. Ça va dedans, il mange le bois à l'intérieur, et puis après, il ressort. Donc, la plupart du temps, l'arbre, il meurt pas, quoi. Et il est juste hyper fragile, des fois. C'est-à-dire qu'un arbre, un coup de vent, tac, il casse d'un coup, comme ça, puis t'aperçois qu'il y a un gros trou. Ouais, il peut manger tout le cœur. Mais après, ça fait quand même un affaiblissement de l'arbre. Physiologiquement. Ouais, parce que nous, on en a eu un, ça a commencé comme ça, quoi. Juste, il a arrêté de pousser. Il est devenu tout rouge, donc là la couleur, je pense que c'est un indicateur aussi. Parce qu'il y en a un autre là-bas, il est devenu rouge comme ça. Ses pommes, elles étaient concentrées, petites et tout. Enfin, on était là, mais qu'est-ce qu'il a cet arbre, quoi. Zozère. Et c'est après qu'on s'est rendu compte, ah ouais, mais là il est trouvé là, et puis zozère dedans. Et... Je pense qu'il y a des facteurs aussi pédoclimatiques. Ah ouais.
Les endroits où, tu vois, le fait qu'il y ait peut-être les ripisylves, c'est tous des endroits où, qui sont favorables pour pas mal de choses. Ouais, pour les insectes, là, il y a des temps, il y a des trucs. Bon, pas forcément sur les le, c'est un papillon de nuit, la zozère. Hein. Ouais. Le bon outil, c'est la chauve-souris, quoi. Ah ouais. Il faut que les chauves-souris commencent à trouver que là, il y a des haies d'arbres et qu'elles commencent à faire des allers-retours. Et... Il y a plein de chauves-souris dans le bâtiment, on voulait les mettre dans des cabanes à chauves-souris et les amener ici. Tiens, tu vois le. Il suffirait juste de faire un corridor beaucoup plus clair entre ici et le bâtiment là-bas. Une chauve-souris, il faut imaginer que c'est 25 mètres, ouais. Sans rien, elle y va pas. Ah oui. Donc s'il y a un arbre tous les 25 mètres, elle peut oser y aller. Alors que si tu crées un corridor direct avec des arbres entre tes bâtiments et ici, ouais. C'est sûr, elles vont venir, mais direct. Parce qu'en fait, elles ont de quoi se repérer avec leur sonar. Donc ça, c'est vachement important de se dire qu'on maille et que bah, tu peux aller les chercher. Je pense qu'il y en a davantage le long de la rivière là. Oui. Et donc si tu fais une haie, donc comme vous avez fait avec Arbre et Paysage 32, il aurait fallu la continuer jusqu'à la rivière pour profiter de toute la rivière. Voilà. Le voisin est resté. Mais dans ce cas-là. Là-bas, c'est en continuité. Hein. Il y a une haie qui va juste au bord de la rivière. Là, ah ouais. Et bien, ça va finir par fonctionner. Par ouais. Et si tu peux faire un lien avec tes bâtiments, parce que les bâtiments, c'est des fortes zones au niveau biodiversité. Ouais, ouais. Surtout pour les chauves-souris. Elles ont plusieurs gîtes, en fait, les chauves-souris. Elles ont un endroit où elles nichent, où elles ont les petits, puis après, elles changent de gîte quasiment tous les soirs. Donc, elles en ont un là, elles en ont un dans le peuplier là-bas, puis elles en ont un dans la cabane là-bas. Et il y a des nuits, elles sont là, des nuits, elles sont là, des nuits, elles sont là-bas. Les petits sont toujours là. La moitié de son poids en une nuit en insectes. La moitié de son poids en une nuit. C'est pas bien lourd, hein, mais les insectes, c'est pas lourd non plus. En fait, elles volent la bouche ouverte. Hein. Oh.